Bonjour, pour faire ce tour magnifique, j'ai besoin de mon jeu de cartes, mais d'une carte particulière, celle-ci. En fait, c'est une prédiction, c'est-à-dire que je vais la mettre de côté sur la table, mais évidemment, je peux la mettre dans ma poche. Hein. Le reste du jeu peut être confié au spectateur pour qu'il examine, il peut mélanger le jeu sans problème. Voilà. Il va choisir complètement librement une carte, hein. Il prend celle qu'il veut vraiment. On va dire que c'est celle-ci, ça c'est quoi? C'est le 9 de pique, c'est la carte qu'il a choisie, mais ça peut être n'importe laquelle, je répète. Mais cette carte, on veut la rendre unique au monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la marquer, c'est-à-dire qu'on va coller en son centre une petite étiquette jaune. Regardez, je la colle. Tac, voilà. On peut donner cette carte à examiner au spectateur pour qu'il voit lui-même que l'étiquette est bel et bien collée. Hein, c'est sa carte, le 9 de pique. C'est ça, le 9 de pique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais perdre la carte du spectateur, le 9 de pique, en l'enfonçant comme ça dans le milieu du paquet. Voilà. Donc, maintenant, la carte et quelque part dans le jeu, je ne sais pas où, hein, si vous me demandez comme ça, vous pouvez le voir, n'importe. Mais ce qui est sûr, c'est que la carte n'est pas de côté. Pourtant, cette carte que j'ai mise de côté, je vous ai dit, est magique. Car si je vous disais que cette carte n'est non pas une prédiction, mais si c'était la carte que vous avez choisie, vous me diriez, c'est extraordinaire, ce n'est pas possible. D'autant moins possible qu'elle n'est pas marquée, celle-là. Sauf que n'oubliez pas que je suis magicien. Donc regardez bien, si je souffle dessus, l'étiquette apparaît. Extraordinaire, non? En même temps, vous me direz, d'accord, elle est apparue, mais ça peut pas être la mienne. C'est pas la bonne couleur. La mienne était jaune, pas rouge, effectivement. Sauf que je suis magicien, n'oubliez pas. Donc si, regardez, je donne une petite pichetette magique comme ça, l'étiquette change de couleur. Elle est maintenant jaune. Jaune, vous vous souvenez? Et la face, vous vous souvenez, c'est une note de pique. Et vous savez quoi? On peut donner la carte au spectateur pour qu'il examine sans aucun problème. Merci.